Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder des problèmes de calcul au certificat d'études primaires. C'est le troisième épisode de cette série. Convertir ces surfaces en prenant l'hectare pour unité. A. 5000 m². B. 12 km². C. 300 ar. Alors, qu'est-ce qu'un hectare? Un hectare, c'est 100 ar. Et un ar est égal à 100 mètres carrés. De là, on peut en déduire qu'un hectare est égal à 10 000 mètres carrés. Petit a, on va convertir 5 000 mètres au carré en hectare. Un hectare est égal à 10 000 mètres carrés. 5 000 mètres carrés étant la moitié de 100 000. On a donc 5000 m² est égal à 0,5 hectare ou 1 demi hectare. B. 12000 km². Alors 12000 km², c'est 1200 hectomètres carrés, 120 000 décamètres carrés et 12 millions de mètres carrés. Donc, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, donc 12 millions de mètres carrés, c'est 1200 hectares. On part ici, 4 zéros, et on trouve bien 1200 hectares. Petit c, 300 ar, c'est égal à, donc on sait que 1 hectare est égal à 100 ar, donc 300 ar, c'est égal à 3 hectares. Un marchand charitable veut donner 12 francs aux pauvres, toutes les fois qu'il gagnera 150 francs. Quelle somme donnera-t-il s'il gagne 2875 francs? Donc ici, on va faire la division euclidienne de 2875 par 150. Donc ici, ça nous va 1, donc 150 fois 1, c'est 150. Si on a 7, 3, 1, 1375, il va 9 fois, donc 5, donc il reste 25. Donc, il donne 19 fois 12 francs et 19 fois 25 sur 150. 19 fois 12, 228 et 19 fois 25 sur 150, 2. Donc, on fait la somme. La somme, c'est égal à 230. Donc, au total, donc le marchand charitable donne 230 francs aux pauvres. A. Un baril de vin pèse 78,4 kg. Quand il ne contient plus que 25 litres de vin, il pèse 40,6 kg. Quelle est la masse du baril vide et quelle est sa contenance? Donc, quand il contient 25 litres de vin, en fait, il y a 25 litres correspond à 25 kg de vin. Donc le poids du vin, 1 litre est égal à 1 kg, donc 25 litres de vin correspond à 25 kg de vin. Donc, quand il contient 25 litres de vin, il pèse 40,6, donc 40,6 moins 25, ce qui nous donne 15,6 kg. Donc ça correspond, 15,6 c'est la masse du baril vide. Et maintenant, quelle est sa contenance? Alors, on retranche donc 78,4 à 15,6. 78,4 moins 15,6. Ce qui nous donne 62,8 litres. Donc la contenance du baril est de 62,8 litres. 4. Un apiculteur a 3 ruches qui produisent du miel, respectivement 9,4 kg, 6,4 kg et 8,2 kg. Avec toute sa récolte,
Combien de pots de 500 grammes pourra-t-il remplir? Donc, ici, les trois ruches produisent 9,4 kg, 6,4 kg et 8,2 kg de miel. Donc, 9,4 plus 6,4 plus 8,2. 4 plus 2, 0. 1, 16 plus 8, 24. Donc, les trois ruches produisent 24 kg de miel. Et combien de pots de 500 grammes pourra-t-il remplir? Donc, avec 1 kg, on peut remplir 2 pots. Donc, il faut multiplier 24 par 2. Donc, 48. Donc, conclusion. L'apiculteur pourra remplir 48 pots de miel de 500 grammes. Donc l'apiculteur pourra remplir 48 pots de miel de 500 grammes. 5. Les soldats d'un régiment d'infanterie ont marché 45 minutes et parcouru 3000 mètres. Quelle est en kilomètres par heure leur vitesse moyenne? Alors, ici, les soldats ont marché 45 minutes et ont parcouru 3000 mètres. Donc on va pouvoir faire un tableau de proportionnalité. 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure, donc distance-temps, donc 3 quarts d'heure, 3 km en 3 quarts d'heure. Et là, on veut savoir la distance en 1 heure. Donc on fait x est égal à 3 fois 1 sur 3 sur 4. Ou encore, 3 donc divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc 3 fois 4 tiers, donc égal à 4. Donc, conclusion. La vitesse moyenne de marche des soldats était de 4 km/h. Donc la vitesse moyenne de marche des soldats était de 4 km/h. 6. Une vache mange par jour 8 kg de foin à 36 francs le quintal, 20 kg de betterave à 80 francs la tonne, 5 kg de paillaché à 16 francs le quintal. Elle fournit 12 litres de lait à 0,80 francs le litre. Quel bénéfice donnera-t-elle pendant un mois de 30 jours? Donc ici on rappelle que un quintal est égal à 100 kg. Donc ici on va faire un tableau. Donc la vache mange par jour 8 kg de foin, donc on fait 8 x 30, 240. Le prix est donné par 240 sur 100 x 36. Ce qui nous donne 86,4 francs. Ici, betterave, il mange 20 kg de betterave par jour. 20 x 30, ça fait 600. Et donc 680 francs la tonne, donc 600 sur 1000, fois 80. Donc ce qui donne 48 francs. Ici, paille, la paille, il mange 5 kg de paille par jour. Donc 5 x 30, 150. Et 16 francs le quintal, donc 150 divisé par 100 fois 7, ce qui donne 24 francs. Donc au total, donc coût total, c'est 86,4 plus 48 plus 24. 48 plus 24 nous donne 72. 86,4 plus 72, ça nous donne 158,4 francs. Ensuite, donc revenu du lait. Donc la vache fournit 12 litres de lait par jour, donc 12 x 30. Et comme c'est 0,80 francs le litre, on multiplie par 0,8. Donc 12 x 30, 360, 360 x 0,8, 288 francs. Donc le bénéfice total est de 288 moins 158,4. Ce qui nous donne 129,6 francs.
Donc, quel bénéfice donnera-t-elle pendant un mois de 30 jours? Eh bien, la vache donnera un bénéfice de 129,6 francs. Bien voilà, la résolution du problème est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.